Bonjour. Culturama Homemade, c'est une expérience née en plein confinement. On continue à vous dédéconfiner, déconcerter, décoiffer grâce aux artistes du monde entier. Aujourd'hui, j'ai en plus le plaisir de vous présenter un lieu unique à Paris. Une fondation créée en 1831 par Jean-Baptiste Desrolles. Suivez-moi à l'intérieur. Nous allons explorer ensemble les mystères du vivant. Abonnez-vous, partagez, aimez cette vidéo. En allant sur Patreon à la fin de cette vidéo, soutenez Homemade directement. On se croirait en pleine jungle ou sur l'arche de Noé. Vous allez découvrir une artiste qui s'est figée la vie sans glace. C'est une jeune plasticienne irlandaise du nom de Claire Morgan. Originaire de Belfast, elle vit et travaille à Newcastle au Royaume-Uni. Passionnée par les processus naturels et les matériaux organiques, Claire Morgan explore, grâce à la taxidermie, la fragilité de toute vie. Dans ces suspensions aériennes faites de graines de pissenlit, de mouches ou de bouts de papier, un arrêt sur image saisit un animal dans sa chute ou son dernier souffle. Ces œuvres parlent du passage du temps, de la vie et de la mort, avec des installations magnifiques et particulières. La poésie de Claire Morgan naît-elle du décalage entre l'animal empaillé et la légèreté de ce qui s'est figé autour de lui, ou de la trace, dont le spectateur, en tant que témoin muet, reconstitue la trajectoire malgré lui? Elle nous renvoie aussi à notre propre fragilité en tant qu'être vivant. Quand Claire Morgan parle de ses créations, elle dit ceci: « Explorer la nature physique des animaux, la mort et les illusions de permanence dans mon travail est ma manière bien à moi de tenter d'accepter ces réalités. Elle nous entraîne au cœur du mystère du vivant. » Autant suspend ton vol. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Que ce soit avec Lamartine ou Claire Morgan, cette façon de rendre l'instant immobile est extraordinaire, vous ne trouvez pas? À très bientôt sur Culturama Homemade. Thank you.